Hey, salut à tous, bienvenue sur Fishing World, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo très sympa, une petite vidéo vers Magnier en street fishing de Rennes. Et aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis avec le poteau Benoît qui est juste là derrière la caméra. Bon, je vous cache pas qu'on avait commencé très bien cette session, puis ensuite ma GoPro m'a fait un petit truc bizarre et j'ai perdu tous mes fichiers. Donc malheureusement on a perdu quelques poissons, j'avais fait déjà deux perches, Benoît une perche et un petit brochet. Mais bon, c'est pas grave, allez, on va essayer de se rattraper. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de gratter un petit peu les bordures. On va voir si on peut toucher du poisson sous les péniches. On va aller aussi également sur un spot que je connais très bien, un spot où j'ai déjà fait un brochet 75 en pleine ville. Et puis ce qui serait vraiment top également, ce serait de faire un petit cendre. Ce serait vraiment cool, ce serait l'objectif de la journée. Bon allez, c'est reparti, on va pas plus se blablater, on se retrouve en action de pêche. J'espère que ma GoPro va pas me lâcher comme tout à l'heure et que je pourrai avoir quelques poissons en vidéo, ce serait quand même cool. Allez, à tout de suite. Donc là, pour vous expliquer un peu le contexte, on est sur un spot que je connais bien. On est sous la ville de Rennes et c'est un spot qui est vraiment cool parce que du coup ça fait une zone de calme. En fait, on a ici le canal qui arrive et juste derrière on a la Vilaine. Et en fait, dès que la Vilaine elle est un petit peu en crue, qu'il y a un peu trop de courant, tous les poissons viennent se réfugier ici sur cette petite zone. Et du coup c'est vraiment blindé de fiches quand il y a des petites crues. Donc on va essayer d'en toucher quelques-uns quand même si la crue n'est plus là. Ce serait vraiment top. Le but c'est vraiment de gratter le fond. Là il y a à peu près 2 mètres d'eau. Et avec le verre, le but c'est de gratter de fond et de longer un petit peu les murs juste en face là. Souvent il y a des perches, voire des petits cendres qui sont postés. Voilà une super petite perche, ça fait quoi? Ça fait à peine 3 minutes, moi je viens, c'est mon premier lancer quasiment. Première petite perche, vraiment magnifique, avec un gros bidou, donc ça fait super plaisir. Oh, poisson! Oh, loupé! Quoi? Je sais pas, mais ça s'est décroché. Ah, dommage! Ah ouais, là, j'avais un fiche. Ah, mais mon verre, il est balèze, là. Il est fait pour un bon gros cendre. C'était gros? Non, je crois que c'était pas très gros. Allez, mon petit. Ouais. Bon, c'est dommage, les poissons ne sont plus vraiment actifs sur cette zone. Du coup, avec Benoît, on va changer de spot. On va essayer d'aller gratter un petit peu dans l'écluse qui est juste derrière. Et puis juste après, on va essayer sous les péniches. À mon avis, ça pourrait être très intéressant parce que souvent, il y a des sacrées bandes perches sous les péniches. Donc allez, on va voir ça tout de suite. Pas grave, fais attention. Oh, poisson! Oh mec, j'avais un joli fiche là. Ah oui, ah mince. Ah bah je l'ai senti, et puis j'ai plus de verre.
Putain, à peine tombé. Ah bah ça, ça devait être une perche. Je l'ai pas en direct. Comment tu veux l'attraper ? Putain, je suis en 18 centièmes. Je me suis pas fait couper. Ah là, mec, mon gars, ça va être chaud. Ah là, ça va être très chaud. Tiens, tu peux me filmer ? Ça va être très très chaud là. Oh la vache. J'avais un malheureux petit ver de terre. Ah là c'est génial, j'avais un pauvre petit ver de terre. Et je fais un magnifique brochet, il doit faire 50. Je vais essayer de le drop. Non non mec. Si bah j'ai pas le choix mec. Hein. Ah là c'est génial, j'avais un pauvre petit ver de terre. Bon là je vais le dropper, j'espère qu'il va pas trop bouger. Pour le release, ça va être chaud aussi, mais je vais faire ce que je peux. Ok mon petit, allez, bouge pas, bouge pas. Voilà. Laisse-moi te prendre. Ah, je l'ai. Yes. Yes. Génial. Petit brochet là, super sympa. Au ver manié. Ça avait pas très bien commencé et puis là on termine cette journée vraiment au top. Ah génial. Hop, à peine piqué. Nickel. Allez hop, on relâche ce magnifique petit brochet. Bon malheureusement je vais me rapprocher le plus près possible de l'eau hein, pour un joli release. Des risques. Allez, allez. Ah, il est reparti direct. Yes. Bon voilà, c'est vraiment top. Ce petit brochet là, on est en fin de journée, il est quelque chose comme 17h30. Mais l'après-midi avait très mal commencé. Enfin, elle avait bien commencé, on avait fait du poisson. Benoît avait même fait un petit brochet et tout, mais malheureusement, la GoPro a bugué et les fichiers ont été supprimés. Et là c'est vraiment top de faire ce petit brochet. Malheureusement, je ne l'ai pas en direct parce que j'avais pas allumé la GoPro. Mais voilà, ça fait un joli poisson et ça fait super plaisir. Et puis avec un tout petit ver de terre comme ça, franchement, j'y croyais pas. Et en plus, j'étais en 18 centièmes, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Puis je l'ai fait juste là, quoi. Je l'ai fait à vue, il est remonté, il a pris. C'était vraiment magnifique. Allez, on va voir si on peut toucher d'autres fiches. Oh, la descente. Ah ouais. C'est blindé de fiches. Oh, il y a une belle perche. Oh, il y a une belle perche. Oh, si j'arrive à la faire. Il y a une super perche. Je l'ai vue à côté du tronc. Ah non. Ouais, mais elle était entourée d'alevin, donc elle doit pas avoir bien faim si elle... Ah ouais, il y avait une belle perche là. Ah, c'est dommage. Bon, petit bilan de cette journée, c'était vraiment très sympa. On a touché pas mal de poissons, hein. On a touché quoi, 4 perches. Ouais, et 2 brochets. Et 2 brochets au ver manié. Donc c'est vraiment très intéressant, comme quoi on peut vraiment toucher de tout. Benoît, lui, bah, malheureusement son brochet, ouais, je l'ai pas en vidéo. Et les 2 premières perches, je les ai pas non plus, parce que voilà, ma GoPro a bugué, bref. Et le deuxième brochet, très sympa, je l'ai fait à vue en plus, il faisait à peu près 50, je pense. Donc voilà, vraiment cool. Pour être totalement transparent avec vous, du coup, malheureusement, avec les images que j'ai, je peux monter une petite vidéo, mais ça peut pas vraiment être une vidéo complète. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'avec Benoît, dans 2 jours, on va revenir. Il y aura à peu près des conditions similaires. Il fera un petit peu plus chaud. Et on va essayer de retaper du fish, de revenir en ayant appris de nos erreurs, parce que évidemment aujourd'hui on a fait quelques erreurs qui nous ont fait perdre un petit peu de temps parfois sur les techniques parce qu'on connaissait pas forcément tous les spots. Donc on reviendra jeudi prochain dans 2 jours pour essayer de faire un peu plus de fiches et donc vous proposer une vidéo un peu plus complète et qui au final j'espère vous plaira et puis sera quand même
agréable à regarder évidemment. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram. Je mets régulièrement du contenu, tous les 2-3 jours à peu près. Vous avez dessus des exclusivités, des petites vidéos, des petites photos, voilà, des petits trucs très sympas. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Allez, sur ce, je vous dis à plus, à très bientôt. Et let's go, c'est parti, deuxième jour. On est de retour avec Benoît pour une petite session Vermagné, en espérant faire du beau fish aujourd'hui. Ah voilà, nickel. Un bon petit octopus bien vivace. Ce qui serait top vraiment aujourd'hui, ce serait de faire un cendre. Oh. Une attaque. Une attaque. Benoît a une attaque. Un poisson. Oh, c'est beau. Un petit brochet. Un brochet. Ouais, un brochet. Incroyable. Tu veux descendre. Ouh. Encore un beau brochet. Ah ouais, il y a un joli pike là. Voilà, c'est clair que pour le relever, ça va être chaud. Ouais, c'est sûr. Là, mec, puis en plus, il est gras. La vache, comment on va faire? Ah, il y a l'échelle là. Attends, tu veux descendre? Va falloir que tu me tiennes la canne. Tu me tiens la canne, tu gardes la tension? Oui. Ah, et puis il est pas comme ça. Vache. Ouais. Pouh. Ah, comment je vais remonter avec le brochet et... Mais en fait, on aurait pu le dropper, mec. Attends. Aïe. Laisse du mou. On va le dropper. Il a décroché, hein. Là, c'est décroché. T'inquiète. On va le dropper. Allez, bouge pas, mon petit. Yes. Ah bah vas-y, bien joué. Nice. Un petit pike dans l'écluse là, incroyable. On vient à peine de commencer, toujours au Vermagné. C'est top. À peine piqué au bord, c'est génial. Je vois pas ce que je fais. Ah c'est bon. Ouh. Et il a un beau petit bidou. Ouais. Ouais, par contre ça va être chaud. Ça va être chaud. En fait j'aurais. Au pire là, t'es la première. Ah mais c'est trop haut là. C'est trop haut, je vais lui faire mal. Je vais descendre le plus bas possible. Bah sinon je risque de tomber. Allez, mon petit. Oh, il est reparti comme une balle. Nice. Oh, il y a une perche en surface, elle vient de gober un truc. Là. Attends. Mec, il y avait une jolie perche là, elle est montée, elle a gobé une plume en surface. Ouais. De retour sur le petit spot avec le poteau Benoît. On espère qu'on va toucher un max de fish. Oh, j'ai vu, ouais, il y a un beau fish là. Ouais. Il y a un poisson ici. Mais c'est moi qui vais le faire, c'est ça qui est dommage. Oh, poisson! Ouais! Je l'ai! Oh, c'est une brème! Mec, t'es la première brème! Oh la vache! Putain, mais ça se bat bien ça! Putain, elle est puissante hein, la petite brème là! Incroyable! Putain, je vais la laisser dans l'eau le temps qu'elle se fatigue! Mec, ça se bat la brème! Oui! Ah, c'est pas grave! Ah! Oui, ça va être super fort! Voilà, la petite brème. Oh là, ça se bat. Allez, monsieur le mucus, là. Hop. C'est puissant. Oh. Et c'est le poisson pour le père Benoît. Une jolie perche. GG monsieur. Oh poisson. Ouais. Une mini perche. Ça Benoît, ça annonce ta fin ça.
T'as même pas envie de la regarder. Hop, la petite perche au passage. Et ça repart. Bon, là il est quelque chose comme 13h30, ouais, on commence à avoir un peu faim, du coup on va aller manger. Là on a fait une super matinée, on a fait 6 perches et un petit brochet en début de session. Et cet après-midi, on retourne sur un super spot qui m'a fait prendre pas mal de poissons et on espère que ça pourrait encore plus embellir la journée. Allez, à tout de suite. By the sounds I'm breathing in, hold tight, hold tight. Chemicals collide, hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Il y a eu un brochet là. Ouais. Oh, je l'ai vu, il chassait. Non. Ah, si, si, il y avait un beau broc là. Ah ouais, il a poursuivi une ablette en plein milieu là. Ah, c'était magnifique. C'est un gros. Non, pas un très gros, mais juste là. Il poursuivait une. Oh, coupé. Oh, oh mec. Ah non, non, il m'a pas coupé. Il a oh juste... la chatte. Oh la vache. Oh merde. Oh mon gars, je et me suis pris. Pourquoi tu l'as pas assez serré? Mais je me suis pris une tape mais tellement violente. Attends. C'était. Je me suis pris une tape mais c'était n'importe quoi. Là vraiment truc de fou, hein. J'ai bien vu qu'il y avait un brochet qui chassait une ablette. C'était magnifique à voir. Je lance juste après là où il était et boum, je me prends une tape énorme. Ah là, il est gavé de... Oh, poisson. Yeah, bien joué. Oh, oh, masse la perche. Oh, masse la perche. Wouh. Wow, elle est magnifique. Ah, c'est mon record perche. Ouais, ouais, on va faire attention, mais... Ça va, mon gars, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais, je fais gaffe. Ah, ça va être chaud. Ouh. Là il y a poisson là. Oh la super perche. Ah. Ouais, il y a une petite perche de 30 là, magnifique. Ouais. Ah, elle m'a mis un beau combat, c'était top. Vraiment top. Vas-y, je vais la remettre au-dessus du déversoir, ça va être beaucoup plus simple. Alors. Tac. On est à 28. 28. Elle est vraiment belle. Hop là. On va la relâcher. Est-ce que je filme avec ma GoPro? Ouais, c'est bon, ça filme encore. Hop. Hop. Allez. Oh la vache. Nickel, ça repart. Magnifique. Voilà, j'avais relancé là où j'avais vu le brochet chasser. J'ai laissé couler au fond, je grattais légèrement et boum, grosse tape et une belle perche de 28 cm, ça fait super plaisir. Donc on va essayer d'en retaper d'autres, ça serait incroyable. On va insister un petit peu là. Une belle perche. Oh yes. Nickel. Jolie perche pour Benoît. Ouais. Nickel. Hop. Bien joué. Ah ouais.
Le mec a trouvé la technique, quoi. Ah ouais, je l'ai vu. Ah, elle est toute jaune. Ouais, elle est belle. Ah, t'as vraiment trouvé la technique, quoi. Ouais. Elle est magnifique, celle-là. Elle est toute jaune. Nickel. Ah, yes. Ah, putain, elle se permet dessus, frère. C'est trop le seul. Bah ouais, c'est la fraie. Ouais. Tu dois être à son goût. Hop, ça repart direct. Oh! Ah ouais, jolie perche là encore. Ouais, t'as mis une tape. Ouais, elle m'a mis une tape. Ah, t'as une super. Alors, je rebobine ça. Encore une belle perche. Ouais, elle est comme celle du début, celle-là. Ouais. Comme. T'as un troisième perche pour Benoît. Troisième perche en 5 minutes. Ouais, il a trouvé la technique. Et ça repart direct. Nickel. Yes. Benoît, il y a un brochet, il a suivi jusqu'au bord, il est là. Il y a un brochet, il est là. Oh, poisson! Oh, magnifique! Oh, je l'ai fait à vue, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Mec, il a suivi jusqu'au bord, il est resté, j'ai renvoyé et boum, il a pris. Là, ça va être chaud pour le dropper, hein. Wow! Regarde, il vient avec moi, il est super cool. Allez mon petit, suis-moi. Bon bah, troisième brochet de la journée au Vermanier. Enfin, il y en a un que j'ai manqué, mais troisième brochet, ça fait super plaisir. Bon là, pour le dropper, ça va être un peu chaud. Bon, je sais que c'est pas forcément bien de le poser dans la pelouse, mais là, j'ai pas trop le choix. Voilà, deuxième petit broc au Vermanier. Super, une superbe action de pêche. Je l'ai vu suivre jusqu'au bord, ensuite j'ai retiré le verre. Il est resté là, j'ai relancé et il l'a pris direct, c'était magnifique. Vraiment incroyable. Donc voilà le petit broc. Et il a des sacrées traces de chicot là. Bon, je vais le relâcher comme je peux. La tête la première. Hop là, c'est bon. Oh, il y a une perche, il y a une perche qui suivait. Elle est là, elle est juste là. Non. Regarde, elle est là, tu la vois? En surface là, regarde, regarde, regarde. Boum, étape, étape. Ouais. Je l'ai. Ah yes, c'était incroyable. La petite perche à vue. Elle est belle. Ouais. Je repasse devant toi du coup, c'est ça qui est beau. Incroyable. Hop, petite mimine, magnifique. Hop. Bon, bah je crois qu'on va se laisser là-dessus. C'est une défaite écrasante pour le jeune Benoît. Non, plus sérieusement, franchement, on a passé une super journée. C'était une super session. Pour ma part, je fais deux brochets et j'en touche un autre. Et on a fait de nombreuses perches. Moi j'ai fait 4 perches. Ouais, 4 perches et toi t'en as fait 2 ou 3. Ouais, et j'en ai fait une de 28. Et une brème aussi. Ouais, j'ai fait une brème aussi. Vraiment, il y avait pas mal de poissons. Le Vermanier, on a pu vérifier que c'était une super technique. On peut toucher vraiment tout un tas d'espèces. Aujourd'hui, on a touché 3 espèces. Ouais. Bon, je pense que ce sera une petite vidéo, j'espère que vous l'avez quand même apprécié. N'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram, il y a du contenu exclusif dessus, et plus fréquent que sur YouTube, à peu près tous les 2-3 jours. Et bien sûr, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en bas dans les commentaires. Et puis bien sûr, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et ça m'aiderait beaucoup à développer la chaîne. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée à tous, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Salut !